Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur le 16-3000. Donc au final ce n'était pas un problème carbu, c'était un problème de diorite, donc j'ai changé la diorite. Donc ça m'a rien coûté, hein. Parce que c'était pas bien cher. La diorite était à 3 ou 4 euros, parce que c'est un petit truc. Donc là elle marche bien. Je viens de m'en servir vite fait histoire de l'essayer. Elle marche bien. Il y a un petit peu la tension à refaire, à nettoyer un petit peu, puis elle sera bonne. Donc je vais vous la démarrer. Elle est chaude. Et vous voyez, il n'y a plus ce problème de trou à l'accélération. Là, elle marche bien, donc je vais vous le montrer. Donc voilà, donc elle aura un petit nettoyage, puis ce sera bon. L'essence qu'il y a, il n'y avait pas d'essence avec quand j'ai récupéré la machine, mais c'est l'essence que la concession a prise, parce que la concession à laquelle j'ai acheté m'a demandé de ramener la machine pour être sûr que ce soit bien les durites avant de vendre les durites. Donc elle l'avait essayé, elle avait mis de l'essence dedans. Donc voilà, donc moi comme ça m'a permis d'essayer la machine. Je m'en suis servi pour raser le Cuba, pas de problème. Pour l'attention, je vais la refaire, mais sans que ça y va. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Puis moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde sur YouTube.